Oh là là, écoutez-moi cette musique, regardez-moi cet écran de titre, il est déjà sublime, ça ne laisse augurer que de bonnes choses. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, c'est Dairen, et on est parti pour un tout nouveau let's play avec ce World of Final Fantasy, qui sort le 28 octobre, donc sur PS4 et PS Vita. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer avec deux jours, on est quoi, le 26 aujourd'hui, je sais même plus, attendez, je regarde sur mon téléphone, oui, le mercredi 26 octobre, donc j'ai la chance de pouvoir jouer avec un petit peu d'avance, j'ai vraiment hâte de me lancer. C'est un jeu qui, comme Overwatch, je ne l'attendais pas spécialement, tout simplement parce que je n'en avais pas entendu parler. Et tout simplement parce que voilà, déjà je passe pas mal de temps sur Final Fantasy XIV, hein, ce fameux MMORPG de Square Enix. Vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu l'actualité de la chaîne. Donc voilà, je suis pas mal sur ce jeu, je fais gaffe à l'actualité en rapport avec FF14. Et puis il y a tellement de com aussi autour du Final Fantasy XV qui devait être sorti mais qui a été repoussé. Il va sortir là incessamment sous peu, mois de novembre je crois. Il y a tellement de com autour de Final Fantasy XV que ce petit World of Final Fantasy est un peu passé entre les mailles du filet. Et je trouve ça bien dommage parce qu'il laisse vraiment augurer beaucoup de bonnes choses et de bonnes surprises, même si il a choisi une direction artistique un peu spéciale, hein, puisque là il y aura la possibilité d'incarner nos personnages en version chibi, et puis toutes les égéries un petit peu des précédents épisodes vont être présentes ici et là, et apparemment ils seront aussi un petit peu en chibi. Alors on aime ou on n'aime pas, moi personnellement ça m'a séduit, j'aime beaucoup les petits jeux comme ça à côté en rapport avec l'univers de Final Fantasy, comme ben, celui-ci, ou alors ce jeu qui était sorti sur DS, un jeu de rythme aussi avec les personnages de Final Fantasy, c'était vraiment génial. J'aime beaucoup ces petits trucs, vous savez quand vous souffrez de collectionnite aiguë, c'est vraiment les petits jeux qu'il vous faut pour pouvoir faire une petite game comme ça de temps en temps et vraiment faire un truc en rapport avec l'univers sans forcément vous lancer dans un épisode en particulier. Donc j'ai assez parlé, je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur une touche puisqu'on nous le suggère, en plus du coup il n'y a pas de petite présentation apparemment. Alors je vais appuyer sur... Ouh. Oh yeah. Alors, il y a une fonction de cross-save, il y a une config, moi je vais rien faire, téléchargement, j'ai essayé de télécharger en fait le petit bonus de l'édition Day One qui réunit donc les voix en japonais. Dites les chats s'il vous plaît, je suis en train de tourner une vidéo, donc on arrête de faire du catch sur le canapé. Oui, donc les voix en japonais et puis d'autres bonus comme certains mirages, le chocobo blanc, par exemple, et puis d'autres trucs, et puis je crois qu'il y a aussi l'invocation de Sephiroth en mode chibi, enfin bref. Mais pour l'instant ça marche pas, donc on m'a fait comprendre, j'ai demandé leur avis à deux amis là, Marie et Mac, et du coup on m'a dit qu'apparemment ça sera disponible que à partir du 28, donc dans deux jours. Alors on va devoir commencer le jeu avec les voix en anglais, je suis désolé, hein. On va lancer une nouvelle partie. Et est-ce que ça commence comme ça tout de suite ou... Chut. Awake at last. Prologue. Tick tock, tick tock. Tick tock, tick tock. Madame, vous faites un petit peu flipper. Alors c'est, il y a deux personnages principaux, apparemment c'est un frère et une sœur. D'ailleurs dans la version anglaise, il me semble que là il y a écrit The Brother, et il n'y a pas écrit le jeune homme. Donc c'est un frère et une sœur. Et je trouve que ce qui est un petit peu dommage, c'est que les personnages masculins maintenant ils se ressemblent un peu tous entre les Kingdom Hearts et puis le côté un petit peu Cloud avec la coupe de cheveux et tout ça. Je trouve qu'ils se ressemblent un peu beaucoup maintenant les personnages. Ah oui, il y a un truc avec leurs mains. Enfin, je me tais, on regarde et puis on verra, on découvrira de façon à mesure qu'on avancera dans le jeu. Mm.
ont dû faire la chouille. Ils ont ces têtes, la gueule de bois. Oh, ils sont vachement au bord. Time to wake up. Non! Et voilà, ça commence par un suicide. Magnifique. Yeah. Vous avez vu le mog à lunettes là, avec les lunettes de soleil au-dessus sur l'étagère? Trop fort. Oh non. Pas travailler, non. On est là pour jouer. Oh, c'est mignon. Oh, am I gonna make it? The boss hates when I'm late. Quoi? Tout de suite comme ça là, il faut que je dirige. And again, it's not like business has picked up any. Ah, vous aussi. Appartement des jumeaux, ok. Maybe we should start selling sandwiches along with the coffee. Bon, je vais me diriger directement sur l'objectif. Hein. Au pire, j'explorerai un petit peu hors antenne. Parce que vous savez que j'adore farfouiller et tout et tout. C'est là? Ouh, c'est grand. Entrez, toc toc. The streets sure are quiet today. C'est quand même joli, hein, je trouve. Bon, là, par contre, je suis flou. C'est marrant, dès qu'on se rapproche... Ah oui, d'accord. Il y a un effet de flou à l'avant de l'écran. C'est plutôt sympa, du coup, parce que c'est vrai que ça nous invite à porter notre attention un peu plus loin. Mais, du coup, quand on se rapproche, on rentre nous-mêmes dans le flou. Et ça, c'est un peu idiot, parce que, je veux dire, s'il y a bien un truc qu'on regarde en permanence, c'est notre perso. Alors, est-ce que j'ai déjà un petit menu que je peux ouvrir, là? Non. Là, ça donne rien, ça donne rien. Oh mon dieu! Oh, regardez-moi ce saut, il est aussi athlétique que Dairen, c'est incroyable. Wouh! Oh, les petits chats, ils vont faire un séjour dans la chambre, je crois, hein, si ça continue. C'est plutôt cool. Alors, attendez, ils avaient dit quoi? Pavé numérique pour la carte? Oh, mais il n'y a rien sur cette carte. Il n'y a rien du tout. Ok, d'accord, il n'y a rien. Rien qu'on puisse fouiller, étudier. Ça, je suppose que c'est le café. Hein. Il y a une belle terrasse. Il y a des beaux panneaux. Ah, il y a des travaux sans doute par là. Le café des neuf Fresnes. Je sais pas. On va rentrer dans le bistrot. On va dire le bistrot. Et on dirait presque le symbole de Starbucks. Ah, bravo. I'm real sorry. I hope you haven't been waiting long. Oh mon dieu, cliente. Quelle présentation. Oh no, thanks. A pint. I mean, a cup of coffee, please. Mm-hmm. And bring the whole jar of sugar. I'm gonna need it. Right. That's one cup of joe. And I'll get you one of the big jars. J'ai failli dire qu'elle me plaît à vouloir une pinte, mais finalement elle s'est rabattue sur le café. Come on, get it together, guys. I'm sorry, miss. This might take a while. Hey, no hurry. Time's not an issue. T'as de la chance. T'as de la chance qu'elle soit pas chiante. Des muffins. Qu'est-ce qu'il est sexy avec son tablier, regardez-moi ça. Hop, un sucre, deux sucres, trois sucres. Vous êtes sûr que c'est une gonzesse? Oh mon dieu. Ok, d'accord. Chut, le client est roi.
Je sais pas s'il reste beaucoup de café là-dedans, hein. À mon avis, elle va boire du sucre. Du sucre goût café. Ah, voilà la sœur. Riri. C'est pas des jumeaux? Ah, ça y est, jeune homme devient l'âne. So what's up? I'm all ears. Well, you don't have to get all sarcastic. You really are all ears. What? C'est pas normal qui... Je pensais que c'était normal. Forget it. So long. Have you seen anybody this morning? Well, yeah, I mean, I'm looking right at you, aren't I? And there's that customer. What? C'est si rare. Oh, hello. You didn't even see her? Dude. Yeah, but... Ah, look, come with me right now. Easy. Ow. Nobody here. So it's a quiet morning. Maybe they just... I mean no one. Huh? Maintenant qu'elle le dit, effectivement, ça m'avait pas choqué au début, mais... Now that you mention it, I guess not. And this isn't setting off any alarms? Well, should it? You two really don't remember a thing. Huh? What was that? Who are you? If you're from around town, then I don't know you. Rain Manners. You two really don't remember a thing. Would you please just answer my question? You can call me Anna Crow. Anna Crow will work. Okay, well... We woke up to a ghost town this morning. Maybe you know why? Yes, you're quite alone. But you always have been. Huh? This world, it's always been the two of you. A world without time. One that ended when it began. What? That's the weirdest thing I've heard. But don't worry. C'est surtout super Just flippant. Because the world ended doesn't mean that it's going anywhere. You know, I have been checking up on you two. Until now, you were nothing but blank stares. So imagine my surprise when Lon took my order. What a morning. Okay. Now you're kind of scaring me. So, now that you're awake, we've got a story to tell. Which brings us to... Tama, right to here! Who the hog put this thing on my head? Oh putain. Yeah, I did Il a pas inventé l'eau chaude celui-là. You take it from here. I'll go on ahead and link up a path. You the daddy! Huh? Hey, you can't just leave. Salutations. The name is Tama, and I'm here to help out. Does anyone have any questions? T'es drôlement mignonne, en tout cas. I've got tons of questions. Why were you sitting on my head? And how long can a fox even talk? That's the seriously the first thing on your mind. Now I see why Anna Crow is just about the ready to throw in the towel. Eh oui, on t'a laissé faire le sale boulot. Are you allowed to be confused? Hey, whoa, take it easy there, Lon. I thought you were upset Let's too. Let's start the over. I'll make us some of the coffee. Oh, yes, please. But I already made some coffee before you got here. How can you just roll with this rain? Chill the owl. You lived the much longer. Yeah, Lon. You shouldn't start out your morning with so much stress. Oh, would you like some sugar? Three cubes for you, right, Lon? Huh? I'm good with just one. No. Okay, I'll go and put the coffee on. But I just said I... You know what? Just give me my dang cup of coffee. Ça traduit pas exactement ce qu'ils disent en anglais, hein. Garage keepers?
Des miramanciens. Those the marks on your arms are proof. You were born to work the miracles. Miracles? Our arms can do that? Dude. Dude. How could you forget? You used to command a whole legion of them. You were masters of them. Power. Pokémon. Oh non, pardon, des mirages. In the fact, even the Pleiad answered to you, and those are the seven strongest mirages of all. With their power, you could have the ruled over. Rien que ça, et bah dis donc. On a du mal à y croire hein, quand on voit leur tête. Enfin, surtout le bonhomme, il a l'air un petit peu bonnet. Well, that's what I've heard. From who? What do you mean? In a crow that told me, of course. Enough the reminiscing. I've got to teach you two to use mirages again. What? How's that? First off, I'm going to present you with my very own Prismarium. Wow. So what is it do? With this Prismarium, the mirage inside becomes yours. And you can then make it do to anything and everything you command. Cool. So let's try it right now. On passe aux choses, aux choses sérieuses. J'en bafouille. Oh. Oh. Hey, y a Pikachu. Si ça c'est pas, je sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est du plagiat, mais attendez, y a un renard qui ressemble fortement à Pikachu, la couleur et tout. D'accord, ok. Alors, le combat en temps actif. Eh bien, parlons des combats avec les mirages. Voilà, pendant la bataille, le personnage le plus rapide a chié en premier. C'est ce qu'on appelle le combat en temps actif. Voilà. T'es obligé de dire voilà tout le temps ? Un personnage peut choisir une commande lorsque son icône atteint le sommet de la longue jauge mince. Voilà. Quand plusieurs équipiers sont prêts à agir, vous pouvez passer de l'un à l'autre en déplaçant le joystick. Ok, on ferme. Certaines compétences sont associées aux touches dès le départ. Vous n'aurez qu'à appuyer sur celle qui est appropriée. La cible de l'attaque est choisie automatiquement, alors se battre est simple comme bonjour. Et voilà. Ah, attendez, il y a un deuxième. Okay. Les compétences sont ajoutées aux 4 palettes de raccourcis accessibles avec L en combat. Au fur et à mesure qu'elles sont apprises, mais vous pouvez changer leur attribution. Ok. Quoi ? Le renard a plus de points de vie que moi ? Bon, bah si je dois attaquer. Triangle. Ouh. Il a pris cher quand même. Attendez, je jette comme un coup d'œil dans le menu complet pour voir. Attaque, compétence. Ok, bon, pour l'instant je fais raccourci. Ouais. J'ai pas encore beaucoup d'options, donc ça a l'air de suffire. Des points d'action. Pour utiliser des compétences, des sorts ou toute autre commande, des points d'action sont nécessaires. Ces points s'accumulent au fur et à mesure des tours ou lorsque vous tirez parti du point faible d'un ennemi. Pour utiliser vos commandes les plus puissantes, il faudra accumuler beaucoup de points. Voilà. La plupart des mirages ont un point faible, profitez-en pour combattre de façon efficace. Ah ouais, mais il faudrait la compétence canne déjà. Si elle y est toujours comme dans les autres FF. Oh, le monstre va attaquer, attention! D'ailleurs, il vient de où ce monstre? Ouf. Pauvre petite chose. Je continue à attaquer, c'est ça? Coriace, hein, mine de rien. C'est bien pris déjà 150 points de dégâts dans la tronche là, non? 200? Il a plus de HP que nous. Aïe! Pourquoi moi? Attaque le fox! Oh! Il a mauvaise mine. On est obligé de l'achever, il est tellement mignon. Pas de pitié! Alors, les modes de combat. Il y a 3 modes de combat. Actif, semi-actif et passif. En mode actif, le combat continue d'avancer en temps réel même quand vous n'agissez pas, ce qui permet de se battre sans interruption. En mode semi-actif, la jauge s'arrête temporairement quand un sous-menu est ouvert.
On va être passif, le temps s'arrête tant que vous n'avez pas choisi de commande. Ceci vous permet de réfléchir autant que vous voulez. Vous pouvez changer le mode de combat à partir de l'option configuration du menu. Essayez le mode passif si le mode actif vous semble difficile au début. Vous pouvez toujours y revenir quand vous... d'accord. Ok. Bah, il me paraît bien celui qu'il y a là. Ah, et encore une chose. Pendant le combat, appuyez sur L1 pour afficher le menu de combat. Comme ce menu inspire de la nostalgie, on le surnomme le menu de combat classique. Voilà. Ça commence déjà à me saouler les voilà. Objets et fuir ne sont disponibles qu'à partir du menu de combat classique. Mais n'oubliez pas que le temps s'écoule de façon différente selon que vous êtes en mode actif ou en mode passif, même lorsqu'il est affiché. Le menu de combat classique vous permet de choisir vous-même la cible de votre action afin de planifier vos attaques dans les moindres détails. Ah, ça par contre c'est bien, oui, parce que l'auto-ciblage, ça par contre, je pense qu'au bout d'un moment ça va me saouler un peu. J'aime bien décider qui j'attaque. Bon, ça va, combattre c'est pas trop compliqué pour l'instant. J'ai juste l'impression qu'on prend quand même super cher. Ok, j'ai remporté mon premier combat. Oh, je reçois 10 points d'expérience, attention. Oh, j'ai failli passer au niveau suivant. Écran suivant. Ouh, j'ai reçu 7 guilds ou guilds, je ne sais toujours pas, malgré ma grande expérience des Final Fantasy, si on dit des guilds ou des guilds. The figure it out yet? The two of you were unsurpassed. No, the Mirage could stand up to you. Dude, seriously? Dude, the seriously. It's hard to believe. I'm sure it is. As far as I can tell, you two have lost everything. All the memories and experience you've ever accumulated. Oh là là. Of course that would have happened when you and this world were spliced out. So not only did they lose the Mirage. L'amnésie, c'est quand même un mal dont souffrent de façon régulière les personnages dans les Final Fantasy. That explains why all their other memories seem to be largely unaffected. What? Listen, let me show you something. Ok. Profite pour boire un peu de café. Oh, oh, c'est vachement beau, dites donc. Grimoire. Grimoire. That is where you'll find all the mirages you've lost. You mean they're all inside this gate? You got it. Are you ready to conquer them again? So, if we do manage to find all the lost mirages, does that mean we'll be able to remember the things we forgot? Well, I don't know about that. After all, you lost your memories. It's not the same thing as forgetting them. Oh. But even if you don't remember Grimoire, Grimoire still knows a lot about you. C'est pas grave, on va se refaire des souvenirs, on va se recréer une nouvelle vie. So like you're saying whether we remember anything about ourselves or not, we can still find clues about our past and the things we've done? Correct. And if you keep on... Bonne réponse, correct. I think you might even meet your family in due time. Ah, parce qu'on a une famille aussi. On n'est pas tombé du ciel comme ça. On n'est pas né dans une non. Oh yes. Dans un chou. You going? You going? Will you journey to Grimoire? On pourrait avoir une petite save, s'il vous plaît. Ah! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh, j'ai reçu un trophée en plus. Partons à l'aventure! Un petit trophée bronze. Bah écoutez, oui, je vais sauvegarder ma progression. Oui, j'écrase les données sauvegardées. Chapter 1. Land of the Lilliken. Les Lilliputs. Waouh. Bon, graphiquement, c'est pas moche, hein. C'est pas exceptionnel non plus, mais on s'y attendait un peu. J'ai quand même... Oh! Oh! J'ai quand même regardé assez le truc pour savoir à quoi m'attendre. You look like such a little dweeb.
Regardez ces petits bras tout ronds, c'est trop mignon. T'as l'air ridicule. Just wanted to make sure you had a nice and a handy way of blending in. Wow, she can do stuff like that? That is awesomely weird. Well, this kind of works out. We won't have anybody gawking at our arms. Way to find the silver lining. Alors, dans le monde de Grimoire, Lan et Rain peuvent changer à tout moment de taille et devenir des petits Didipus ou des grands Gigantus. Pour changer leur taille, appuyez sur L1 et carré pour Lan et L1 et rond pour Rain. Vous pouvez choisir l'apparence qui vous plaît, mais n'oubliez pas que la taille actuelle du personnage détermine laquelle de ces deux pyramides sera utilisée en combat. Ah, parce qu'on peut en avoir deux différentes des pyramides. Ok. Oh, stop, arrêtez! Tout ce dont je discute ici avec Dame Enacross est consigné et peut être relu quand vous en avez envie. Il suffit de sélectionner l'option astuce du menu. Blablabla, ils y ajouteront parfois quelques informations supplémentaires inédites. Même si vous vous débrouillez comme un chef, venez y jeter un coup d'œil de temps à autre. Oui, histoire que ça ne serve pas à rien. I guess we should head straight down this path. It's the only direction we can go. Think you can manage to not get lost? You know, just this once. What? I'm not gonna get lost yet. Oh mon dieu, c'est tellement mignon. C'est mignon, regarde comment il est mignon. Oh là là, c'est génial. Je suis vraiment désolé hein, de me mettre dans tous ces états. C'est plus de mon âge, mais attendez. Oh là là. Du coup, j'ai l'air de sauter plus haut pour ma taille. Non, franchement, c'est génial. J'avais franchement la hype pour ce jeu là en attendant qu'il sorte. Et ça se passe comment? On va avoir un combat au bout d'un moment là? Ou est-ce que tout est scénarisé pour le premier niveau et qu'il faut que j'avance un certain point pour pouvoir avoir un combat? Oh, il y a une map monde, attendez. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est de faire une petite pause ici et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour l'exploration de cette zone et puis la suite de nos aventures. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vos impressions ou vos encouragements hein, via les réseaux sociaux avec Facebook ou alors même ici. N'oubliez pas aussi le petit pouce vers le haut qui fait plaisir et puis moi je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne pour de nouvelles choses. C'était Dairen, prenez soin de vous, tchuss. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette publication vous a plu, vous pouvez me le faire savoir avec un pouce vers le haut. Vos suggestions ainsi que vos demandes de parties en coopération sont toujours les bienvenues. Pour ne rien rater de ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si c'est déjà fait, partagez la vidéo avec le maximum de vos amis. Pour me faire plaisir, rien de plus simple. Laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez préféré dans ce contenu. Et n'hésitez pas à m'en proposer aussi de nouveaux. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger avec vous, que ce soit ici ou via les réseaux sociaux. Pour l'heure, il est temps de nous séparer, alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !